Alors, nous sommes à cette date aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, c'est pratiquement le jeudi 11 février 2021. Je suis en plein Conakry. Voilà, je suis en plein Conakry. Je suis venu, n'est-ce pas, en tant que responsable de la Fondation Espoir de Vie. Voilà, venu apporter juste ma contribution à des personnes sans abri. Voilà, c'est des personnes sans abri, mais qui dorment sur un pont. C'est-à-dire, passent toute leur vie sous un pont. Voilà, donc nous sommes là justement, je suis là, et moi j'ai déjà parlé de ça. Je me suis réveillé à 4h du matin afin de pouvoir apporter de l'aide, n'est-ce pas? Voilà. Madame, ça va? Tu as des enfants ici? Ah, Dorina, oui, Rabbi. Mm-hmm. Elle fait quoi comme boulot, elle? Où est-ce que tu as un enfant? Elle a dit. Elle dit quoi? Dorina. Elle a dit qu'eux, ils sont venus ici, ouais. Pour dormir. Ouais, pour dormir. Celle-ci, elle a dormi. Celle-ci, oui, elle dort tout le temps. Oui, tout le temps. Eux, ils dorment ici. Il y a les enfants aussi nombreux. Voilà, c'est les enfants là, je vais voir. Tu vois les ils sont enfants, en train de dormir. Tu vois les enfants. Il faut lui dire que je reviens. Dormir. Ouais, c'est les enfants qui dorment. Oui. Je les vois, non? Vous voyez, sur un pont, voici le pont, vous constatez, c'est l'échangeur. Voilà, vous constatez. Vous constatez, et les gens sont en train de dormir. Vous voyez, les enfants dorment. Ça, c'est pas normal. Vous voyez, sous un pont. Constater ici aussi un enfant qui dort sous un pont à la belle étoile. Vous voyez les personnes qui sont en train de dormir. Madame, ça va? Ça vous va? Ça va? Vous voyez comment les gens se sont installés? Oh my God, c'est malheureux. Ils sont sur le pont, hein? Sur le changeur. Ça vous va? Bonjour. Ça va bien. Gouvernement Walkin a raconté. Non, on ne peut pas faire un truc gouvernement dedans. Je suis en train de tirer. On va parler du gouvernement. Ça va? Alors, vous faites quoi ici? Vous n'avez pas de maison? Pourquoi? Bonjour. Il fait déjà jour, maître patron. Il fait jour, hein? Donc, on dit plus bonsoir. Très bon ça. Voilà. Ça, je vais faire mon bon travail. Oui, ça m'intéresse. Alors, ce sont des sans-abri, mais qui vivent aussi ici avec les enfants. Alors, comment ils arrivent à s'en sortir? Il faut leur demander comment ils arrivent à s'en sortir. Menge, ma wari soufi wira. Vous êtes avec? Donc, outunabe nansefi ou nansera. Non, on ne peut pas parler les trucs comme ça dans mon téléphone. Il faut demander comment ils s'en sortent. Comment ils font pour s'en sortir? Ouais, comment ils mangent, ouais. Ouais, c'est ça qu'ils aiment. Bah oui. Tu sais, Mérina vient en photo, il fallait m'en faire. Voilà, il faut parler, bah. Tu comprends, non? Papa, on a voulu être en mer, on a voulu être en mer. Ok. On a dit, bon, je reviens. Je vois les enfants là, puis je reviens sur vous, hein. Je reviens. Parfait, hein. Je reviens.
Je reviens. J'ai besoin de ton courant. Les personnes sans abri. Ça va, monsieur? Ça loin. Viens, viens, on va voir les enfants là. Le problème des enfants, on va toucher ça de près. Vous voyez comme ils sont installés, il y a des handicapés parmi eux. Où c'est? Voilà. Vous voyez, madame, vous avez enfant, vous faites quoi dans la rue ici? Vous faites quoi? Vous demandez. Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est trouvée ici? Ils sont venus ici pour chercher comment les gens là eux vont manger. Oui, mais madame, mais tu n'as pas maison? À Bangrimouna. Mais comment tu t'es retrouvé ici? Il n'y a pas la maison. Wow. Et le bébé, il est né où? Aïdo reste ton bébé. Nous sommes qui étaient au Dingraï. Donc vous avez une maison à Dingraï? Oui. Mais pourquoi tu dors ici sur le pont avec bébé? Réponds-moi. Parce que le bébé, il ne doit pas vivre ici. Il y a quel problème? Oui. Mais manger là, est-ce que tu as maison? Tu pas de manger, mais est-ce que tu as maison? Voilà. Bangrina. Bangrina. Ah. Alors, c'est affaire de maison qui a fait que tu es dans la rue ou c'est manger? Tu as maison? Tu as maison? Tu as maison pour dormir? Tu as maison? Ok. Alors, mais est-ce que c'est ici qu'on trouve l'argent? C'est l'enfant aussi. Comment l'enfant fréquente? Elle va à l'école, je demande. Non, elle n'est pas rentrée à l'école d'abord. Pourquoi? Il n'y a pas de soutien. Hein? Voilà. Mais le bébé, il fait quoi dehors, bébé? Regardez, tu es sur le pont et puis un bébé, comment tu le laves? Comment tu fais? Il n'y a pas maison. Mais elle dit il y a maison. Tu as maison ou pas? Au village, il n'y a pas de maison. Ah ah! Il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de maison. Oui. Même le nouveau-né, bébé comme ça. Eh! Vous dites eh Allah, c'est ça, non? Il n'y a pas de maison. Hein? Alors, je viens. Je viens, on va parler pour bébé là. Hein? Je viens, il faut que tu sois plus dans la rue. Je vais venir travailler. Le vieux, il faut quoi ici? Demande-lui. Bah, t'as l'amour. Il faut venir sur le feu. Est-ce que comment il fait pour manger? Aidez ma baby. C'est un coulé à la matine. Il dit quoi? Il n'y a pas les yeux. Ils sont là pour demander comment eux vont manger. Ils sont quittés depuis un village. Kindia. C'est quitté Kindia. Oui, oui. Mais pourquoi ils ont quitté Kindia? Parce qu'il y a aucun événement. Okay.
Eux, ils sont venus ici à Kindia là-bas, il n'y a pas maison, ils sont venus pour chercher comment eux vont manger. Tu vois. Il a des enfants? Ah, DNAI. DNAI, il a dit, mais c'est Nani. Il y a des enfants, 4 enfants. Ils sont où les enfants? Non, Doré, il a vendu. Ok, ils ont laissé au village là-bas pour venir pour chercher comment eux. Mais tu vas chercher comment? Pour te retrouver comment? Bon, je viens. Madame, ça va? C'est ton mari? Madame. C'est madame? C'est monsieur? Tu fais quoi dans la vie, toi? Tu es ici pour quoi? Il dit quoi? Il dit quoi, lui? Non, non, laisse tomber. Je suis venu vous aider là. Il faut se quitter, il faut laisser. Ce que je fais là. Laisse. C'est bon là. Tiens. Ah, c'est sa femme. Oui. Vous avez des enfants? Adina, oui. Il y a 4 enfants. Et ces 4 enfants sont où? Alors, c'est pour qui le bébé là? C'est pour qui l'enfant là? Où est sa maman? Ah, pas madame, c'est votre enfant? Oui. Je peux parler avec vous? Hein? Je peux parler avec vous? Il a dit que elle a dit que tu vas parler. Donc matin, elle quitte ici. Oui, oui. Et la nuit, ils viennent. Oui, oui. Wow. Madame, je veux parler rapidement avec toi. Elle ne comprend pas ça. Pour lui dire. Elle a dit que tu vas parler. Tu me parles, je l'ai dit. Oui, mais je veux parler maintenant. Je veux qu'elle me regarde pour que je parle avec elle. Bien sûr. Tenez. Ça va? Ça va. Tu travailles où? J'ai venu ici, tu es mendiant? Ah oui. Mais c'est pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot. Je ne gagne pas. Il n'y a pas d'enfant. Mais c'est pas normal que vous trouvez ici, d'accord? C'est pas normal. D'accord. Hein? D'accord. Parce que la mendicité, c'est pas un travail. Il faut réveiller les gens. Monsieur. Non, laisse la lumière. Oh, il est foutu. Monsieur, oui. Ça va? Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi? Ici, vous demandez. Ici, vous êtes fatigué. Vous fatigué? Il n'y a pas de travailleur, il n'y a pas l'argent. Et vous dormez ici? Vous venez la nuit pour dormir ici? Je dors passer toutes les nuits ici. Et vous habillez où? Vous promenez et vous venez dormir?
passé une rue, la rue comme ça, toujours. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est grave. C'est grave. Hein. C'est grave parce que quand vous regardez déjà l'avenir, ils n'ont pas d'espoir, il n'y a pas de vie. Vie. Alors. Voilà, ça va? Regarde-moi. Monsieur, faut lui dire je suis venu donner déjeuner, va aller manger. Nangaera qui la fare sira ou de gima qui en a quoi. Regarde-moi. Ama toutoun. Ça va? Voilà, je reviens. Ça c'est mon quartier général. J'ai commencé ici, non? Ah, vous l'avez dit. Ça c'est mon quartier. Mais vous faites quoi dans... Vous êtes handicapé? Oui. Hein? Vous êtes handicapé? Attends, je vois. C'est ton bras là? Vous êtes handicapé? Handicapé. Comment vous vivez? Ah, moi je comprends pas le français. Hein? Moi je comprends ça. Je comprends. Non, comment tu fais pour manger? Tu fais quoi? Qui m'a dit? On va les payer du pain pour manger. Mais la rue là c'est pas bon, d'accord? C'est pas bon d'être dans la rue. Y a pas de... Si tu es dans la rue, c'est pas bon. On va voir, hein? Moi je m'appelle Maman Sabine. Moi il m'appelle Joël, hein? Mon nom c'est Joël. C'est mon ami, hein? Bonsoir. Donc ici, le... Donc matin, vous partez où? Quand il fait soleil, vous partez où? Non, faut laisser faire Bisabilaï. Faut pas dire ça ici. Bisabilaï même est venu vers toi. C'est en bas, tu as fait Bisabilaï. Toi tu es aveugle. Non, lui. Mais non, mais toi tu fais quoi? Tu n'es pas. Tu fais quoi dans la rue? Pourquoi? Pourquoi vous êtes dans la rue? Mon frère, ils sont tous malvoyants. Oui. Tiens. Et donc toi tu l'accompagnes? Oui. Mais toi tu dois faire quelque chose. Oui, mais c'est pas une raison. C'est pas parce que son frère est malvoyant que lui doit rien faire dans la vie. Je voulais travailler, mais il n'y a pas de mal. Est-ce que tu as cherché ta travail? Oui. Tu as cherché où? Alors quand vous tournez comme ça, vous gagnez combien par jour? Je vais gagner 20 000, 5 000, 10 000, 15 000. Moi j'ai 10 000, mais 20 000. Et vous cotisez, vous mettez à côté? Oui. Pour faire quoi après? C'est ça qu'on va faire. Ma mère n'a pas fini. Hein? Notre mère, elle, la maison. Ah, donc c'est votre travail? Vous gagnez 20 000, 10 000 par jour, vous gardez. Au lieu de faire quelque chose de bon, vous envoyez en famille pour revenir encore travailler mendiant. Parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais tu peux faire commerce. Hein, monsieur, c'est pas ça? Oui, il faut être ambitieux. Il ne faut pas prendre la mendicité pour un métier. Tu vas vivre quoi, comment demain? Que Dieu vous aide, hein? Voilà, nous on vous comprend, on vous condamne pas, hein? Je ne suis pas Dieu pour vous juger. Mais ce n'est pas bon que vous soyez dans la rue. Hein? Voilà, je suis contre le fait que vous soyez là sans rien faire. Demain, ce n'est pas bon. Que Dieu vous protège. Ça, c'est le plus grand matelas du siècle. Ceux-là, ils sont foutus. Ils ont bien... Hein? C'est pour ça que je suis venu, madame. C'est pas toi qui m'as dit de venir. Non, il y a Rafa. Ou bien il y a problème? Il n'y a pas de problème. Si tu viens, c'est fait mes demandes. Moi-même, j'ai fait tes demandes. Oui, mais je t'ai donné l'argent. C'est toi qui m'as dit de venir. C'est pour t'aider, je suis venu. Il faut m'aider, pardon. Patron. Oui, mais quel est ton problème? Mon problème. Oui. Si c'est gagné une maison, je fais partie là-bas. Non, mais je l'écoute d'abord. Je ne peux pas regarder. Un problème, ça s'exprime. Oui. On ne regarde pas pour voir le problème. Oui. C'est pas toi qui m'as dit de venir ici.
La nuit, là, j'ai pris le risque de venir. Parce qu'on m'a, on m'a dit que vous êtes ici. Donc, j'ai pris le risque d'être ici. Aidez-nous, pardon. Tu veux faire quoi? J'ai gagné les maisons. Chaque fois, je viens ici. Mon panier, je suis. C'est gâté. Donc, vous n'avez pas de maison. Y a pas de où maison. On peut vous trouver matin? Y a pas de Gessege, voilà, si on, où on peut vous trouver? Où on peut les trouver? Ici, ici. Ils ont un coin ici? Oui, oui. Dans la journée? Dans la journée, d'accord, pendant d'accord. La journée, ils sont là. Ah, ils préparent là. Là? Oui, oui. Ok. Tu vois? Ah, musique, mana. Tiens, tiens, 20 000. Oui, merci, patron. Hein? Patron Dieu qui a fait tes portes, Jésus. Oui, amen, patron. Amen. Merci, patron. Je vais venir hein, dans la journée. Ça, c'est les handicapés. Oui, les handicapés, ils sont là. On va venir dans la journée. Hein. Moufa, ma gueule, c'est que les madame, ça fait de l'enfant là. Il est né quand? Il se tord leur monde. Il se tord leur. Où est ton mari? Il a ramené. Ils sont séparés avec son mari. Comment bébé s'appelle? Yerlidi. C'est fille. C'est la femme. Arrelidi, Arrelidi. Kyojal. Tu es Peul. Oui, oui. Tu es Peul. Foule en Iraka. Oui, foule. Il s'appelle Mariam Aba. Mais pourquoi tu te retrouves dans la rue avec un bébé? Pourquoi? Pourquoi? Ça fait ni fait que mon bolo. Mais où on peut vous retrouver matin? Gessege. Gessege. Gessege, mouno ou lima minde. On t'entend, ma bimbi. Bimbi. Mouno ou lima minde, Gessege. Minde. On t'entend. Comment tu fais pour te laver? Comment tu fais pour manger? Toi-même. Et des m'a dit. Il m'a dit. Oui, ça peut être, tout ça, c'est important. L'enfant a besoin d'être propre. Ça va contaminer l'enfant. Bon, tiens, faut compter. 20 000. 40 000. 40 000. 60 000. 60 000. 70 000. 80 000. 100 000. Non, ça fait 200 000. 200 000. Il te donne 200 000. 200 000 francs guinéens. 200 000. Il faut prendre soin de l'enfant. Donc, il va dormir, il va faire ça. De quoi? T'as compris? Il va dormir. Bébé là, non. Bébé là, il ne doit pas se trouver dans la rue. Tonton, attends-moi. Moi, je parlais, toi, tu es en train de parler, là. Madame, bébé là, on va vous trouver matin. Viens ici, suis mon travail. Oui. On va qu'on vous trouve. On va vous trouver où? Mon oli m'a mis dingue, c'est gay. Elle dit quoi? Là, ici, on va se trouver ici. Ah mais non, mais il y a le soleil, l'enfant. Moi si je te trouve ici matin, je fais pas là et toi. Je t'ai donné l'argent, il faut qu'on se trouve quelque part. Alors, à tout bara couvrir ce inaki, à la Marie l'irinde. C'est où? C'est en bas là-bas? Minde. 8h. Hein? 8h. Où ça? Mais vous m'avez. Voilà, donc je vais venir. Je vais venir. Non, madame, vous m'avez. Allons-y. Ah, les gens, ils dorment. Les enfants. Où est ta maman? Ingago. Ingago. Ah, c'est ta soeur. Il voit pas. Elle aveugle. Mais qui? Tu es avec qui?
C'est un... Hein? Toi. Wow. On va venir matin, matin. C'est que mon femme à 8h, ya. J'ai venu sur toi. Elle me regarde. Ouais, ouais. On t'a pas oublié. Ah, on t'a pas oublié. Hein? Avec la femme là, qui doit la femme là. Non, 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 laisse, laisse, laisse. Allons là-bas. Ils sont sur l'échangeur, vous voyez comment. Non, il y a des gens là-bas. En bas là-bas. Les handicapés. Le matin, ouais. Si on va venir, ils sont nombreux là-bas. Ah bon? Ah mais ça va? Monsieur. Ayerema. Comment tu t'appelles? Ekelidi. Hein? Ekelidi. Aboubacar. Hé, hey, tu es étonné. C'est pour toi. Igbe. Igbe. Tu ne sais pas dire merci. Il m'a fait la. Il m'a fait avaler. Merci. 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 On va aller. On va aller. On va partir, oui. C'est la fête de l'enfant, là. Allons voir. Donc, le matin, bébé, là. Le matin, si c'est la fête de l'enfant, le matin, si on va venir, ils sont nombreux ici. Oui, oui, oui. À 10h, 10h, à 11h, hein. Si on va rentrer ici, tu vas courir même. Oui, oui. J'aurais dû de partir. On n'a qu'à quitter l'enfant rapidement. Mais elle va aller où? C'est ça la question. Ah, Moufama, Moufama. J'en en bas aussi. Non, 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 non. Moi je monte, c'est pas en bas. Madame, bébé là. Bébé là, il n'y a pas maison ici. Hein? Il n'y a pas maison. Tu es ici depuis quand? On est arrivé hier. Non, c'est pas hier là. Faut pas mentir, c'est pas hier. Ah, non, dit pas là. Ah, au phare de l'homme du monde. Au phare de l'homme du monde. Au phare de l'homme du monde. Ok, c'est hier. Ok, c'est hier. Mais comment tu es venu ici? Au phare de l'homme. Il est. Il est du la. Il est. Il est à toi. Alimati Diallo. Alimati Diallo. Il est malinqué. Malinqué. People, fleur. Il est à toi. Il est à toi. Ireli, Ito. Ito. Ali Matigallo. Ah, ok. Ali Matigallo. Bon, j'ai béni à côté de l'enfant. Hein? La femme a dit Idor et Rafira. Mais la fille, c'est qui? Nubuki. Ndegadira. Mais son papa est où l'enfant? Abba. Anna, ça Dingra. Dingra. Il vit. Il t'a laissé aussi. Mais pourquoi toujours on te laisse? Ça sent un rêve d'ailleurs quoi. Ça sent un rêve d'ailleurs. Pourquoi Rafata? Alors, je suis choqué d'avoir rencontré surtout la dame. Je suis le responsable de la fondation Espoir de Vie. Nous, dans chaque pays où nous passons, nous nous imprégnons de certaines réalités. Voilà, il y a des réalités, il y a des gens qui vivent dans une pauvreté extrême. Une extrême pauvreté, et chaque pays a ses réalités. Alors, aujourd'hui, si nos enfants ne vont pas à l'école, imaginez-vous que beaucoup d'enfants nous rencontrent aujourd'hui dans cette rue, s'ils ne vont pas à l'école, qu'on ne prend pas le soin de les envoyer à l'école, non seulement ils vont devenir mendiants, mais s'il n'y a plus d'argent, ils vont les braquer, ils vont devenir des voleurs ou des prostituées. Alors, l'Afrique,
est le continent le plus riche. Malheureusement, on ne mise pas sur l'essentiel qui est prendre soin des gens. D'abord les handicapés, s'il y en a beaucoup, il faut en prendre soin. Mais les enfants, il faut qu'on les enlève de la rue et qu'on les envoie obligatoirement à l'école. Ça doit être une obligation. C'est une obligation. Leur droit, c'est de se retrouver à l'école. Donc, franchement, il faut que les gens s'occupent. Ils s'occupent au maximum des gens. Parce que grandir dans la rue, vous savez ce qu'ils avaient déjà dit. Un monsieur, il sort, il revient, il dort ici. Il n'a même pas de, il n'a même pas d'avenir. Voilà. Il se cherche. D'autres même, pour avoir à manger, c'est difficile. Mais surtout, une fillette, vous voyez un enfant comme ça dans la rue, franchement, c'est choquant. Comment va avoir? Un enfant comme ça dans la rue, c'est choquant. Je suis choqué de voir sur... Ils sont en train de dormir sur le pont. Bah, c'est le pont, hein. Voilà, c'est le pont. Hein? Ils sont... Voilà, c'est le pont. Et à la belle étoile. À la belle étoile. En plein air, c'est ce que ça veut dire. Vous voyez? C'est choquant. C'est vraiment très choquant. Si nous pouvons aider les gens, aidons-les. Ça, c'est important. Il faut aider les gens que de les nuire. Et ça, c'est très important. Je suis là justement pour apporter ma contribution, mes idées, de faire ce que je peux faire. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Voilà. Mais voir un enfant comme ça, le bébé a combien de mois? Kikeyeri. Viens. Kikeyeri, qui dort et quoi? Vous voyez un enfant comme ça qui dort sur le pont. Combien de mois? Deux mois. Un mois. Semaine. Semaine. Deux semaines. Voilà, vous voyez deux semaines. Deux semaines que le bébé est né. Où sont ses habits? Il n'a pas d'habits. Il n'a pas les habits. Tiens, toi tu parles beaucoup derrière. Allez, tu vas payer du pain. Merci, patron. Patron, si tu dis que fait des protégés. En nom de Dieu, moi je suis pour maman qui est à Côte d'Ivoire. C'est venu ici, elle est partie à. Elle est décédée. Alors, tu sais que je viens de Côte d'Ivoire? Oui. Comment tu sais? Pour moi, comment tu sais que je viens de Côte d'Ivoire? Tu vois ton langue. Mon langue. Elle dit, elle m'a reconnu. Ma manière de parler, c'est que je suis ivoirien. Wow, je suis choqué. Bon, madame, on va aider ça, on va voir. Hein. Mais si on te donne petit l'argent, tu ne peux pas être au village. Il faut quitter la ville. Oui, aller au village. Parce que ici, regardez comment vous dormez sur un pont. C'est pas normal. On est aidé, pardon. Bon, je vais venir. L'enfant n'a que deux semaines. C'est une fillette, elle a deux semaines. Mais vous voyez, ils sont en train de dormir sur un pont. Au prétexte qu'ils n'ont pas d'argent. Le problème, c'est qu'ils ne vivent pas ici. Mais c'est ça le problème. Pourquoi forcément vous venez en ville? Vous voulez tout le monde venir en ville. C'est ça. Voilà, on peut rester au village. Bon, on va se revoir, d'accord? Mon frère,